Chers lecteurs de réalité, marhaba bikoum. Aujourd'hui, on est avec un invité très spécial, c'est Mohamed Afrikha, fondateur de Telnet Holding et certainement Smart Opera, qui a lancé le Challenge One il y a quelques jours. C'était une réussite nationale et une fierté nationale. Donc aujourd'hui, son fondateur, Mohamed Afrikha, nous reçoit dans les locaux de l'entreprise. Je vais vous parler de cette expérience de l'Ontario en Tunis. C'est Mohamed Afrikha, marhaba bikoum, merci de nous recevoir. Merci beaucoup d'être avec nous et d'encourager des initiatives tunisiennes justement pour donner une bonne image de notre pays. Merci à vous. Bon, pour commencer, hein, inévitablement, je n'ai Challenge One, le ouais. Petit bébé de, qui a grandi visiblement de Telnet. C'est une équipe jeune qui a réalisé ce projet. Donc, si vous nous parliez des dernières minutes, par exemple, avant le lancement, comment ça s'est passé, Yannine Saour? J'imagine que ça a été très stressant, très difficile pour l'équipe. Tout à fait, c'est un grand stress. Pour rien ne vous cacher, donc j'ai passé une nuit blanche parce que l'envoi des satellites et l'envoi des navettes spatiales, c'est quelque chose qu'on ne sait pas et on l'a découvert, ça peut être retardé à la dernière minute. Parce qu'il y a le vent, mais il y a aussi des fenêtres dans le ciel. Donc il faut que les opérateurs de la navette spatiale soient sûrs qu'il y a une belle fenêtre pour que le satellite parte dans de bonnes conditions, et pour que la navette parte dans de bonnes conditions. Michel, l'ordre de grandeur et pourquoi ils sont très prudents. Bon, dans cette navette, il n'y a pas d'astronaute. Donc, il n'y a pas d'être humain, mais quand même, c'est une valeur importante. La valeur de la navette spatiale Soyouz, qui est partie le 22 mars dernier, elle est de 340 millions de dollars. Et la charge utile qu'elle est là-dedans, la charge de satellite, elle coûte 400 millions de dollars. Donc, les grandeurs sont énormes. C'est pour cela qu'on doit être sûr de la réussite de la lancée et de la mise en orbite très précise des satellites. Donc les enjeux sont grands, nous on ne savait pas, on a découvert. Donc on a déjà, le 20 mars, on a été un peu contrarié par le fait que le lancement a été retardé. Et puis le 22, on a eu une date de Roscosmos, l'agence spatiale russe, mais avec des réserves. Et donc à la dernière minute, on s'attend que... est-ce que ça va passer, est-ce que ça va voler ou pas. Justement. Et donc, c'est comme nous l'avons vu, c'est une équipe jeune, 100% tunisienne surtout, qui a réussi à concevoir un tel objet. Donc, quel message souhaitez-vous porter à cette jeunesse-là qui travaille avec vous, et généralement à la jeunesse tunisienne aussi, quand on voit ce genre de réussite, un chenoua, enti, que ce soit votre équipe avec laquelle vous avez travaillé, que ce soit la jeunesse tunisienne. Anna, pour dire, le travail, c'est l'équipe qui l'a fait. L'équipe a tenu à mal force. On a aussi donné les moyens. On a essayé d'encadrer. On a utilisé notre réseau de relations pour avoir des supports de quelques agences spatiales. Parce que c'est important. La technologie, on ne la fait pas dans le coin. Mais on est obligé de coopérer. Mais ils étaient très brillants. Je dirais très brillants. Parce que moi, personnellement, je ne m'attendais pas aux résultats auxquels ils ont abouti. Et que le protocole LoRa, on peut le faire dans l'espace. Vous êtes sûr? J'avais des doutes. Mais Oslo, avec des tests bien poussés, ils ont montré que ça se passe. Les cartes électroniques qu'ils ont conçues, qu'ils ont développées, c'est pour l'espace. Vous êtes sûr? Parce que là-bas, l'espace, les températures, la vibration et tout ça, ils ont fait les tests. Et après, lorsqu'on est allé à Roscosmos et en Russie, on a fait les tests vibratoires et les tests thermique et ça a été satisfaisant. Donc moi-même, lorsque je vois les résultats, je ne m'attendais pas à ça. Et Atim Saha, vraiment, c'est exceptionnel. Ils peuvent faire des miracles. Et on doit croire à notre jeunesse tunisienne. On doit croire à notre système d'éducation. Malgré ce qu'on dit, bon, c'est vrai, on peut les parfaire. Mais le Mohandes Tounsi, c'est quand même quelqu'un qui est très bien formé. C'est quelqu'un qui a la capacité, qui a de l'intelligence. La preuve, il y a beaucoup de Tunisiens qui partent à l'étranger. On doit aussi croire à la personnalité et la détermination de Tatouansa. Il n'est pas responsable, il n'est pas... Là, il faut ça.
tahaddi, challenge, il est au niveau et il est capable d'arriver et de surpasser beaucoup d'autres ingénieurs et beaucoup d'autres jeunesses. Le message est il n'y a pas de plus complexe que d'envoyer un satellite. Pour nous, envoyer un satellite, c'était un rêve. C'était mon rêve depuis l'enfance. Et quand Zrir, donc c'était pour nous le rêve. Et là, on y est arrivé. On l'a fait. Et c'est important. C'est un choc psychologique. Et c'est aussi casserner l'ordre. Tout ce qu'on est capable de faire. Et ça, c'est important. Et j'espère, nous, on a fait le premier pas. J'espère que les gens comprennent ça et croient à ça. Et les principales difficultés, j'imagine qu'elles étaient nombreuses avant le lancement. Quelles ont été, Akthar Haja, par exemple, qui vous a marqué, le lancement avec, qui a marqué votre équipe aussi? Bon, on a un très bon pays. Il y a une joie de vivre à Fiblène, mais on est un pays où il y a, on a des ressources limitées. On n'est pas un pays développé qui a un budget important dans la recherche et développement. Donc, on avait cette donnée-là qu'on doit compter sur soi-même. La deuxième des choses, c'est que notre administration et notre législation n'est pas adaptée. Lyon a une agence spatiale. On a une commission nationale extra-atmosphérique. On a fait des réunions depuis longtemps. On n'est pas la législation adaptée à l'envoi des satellites avec l'octroi de fréquences et tout ça, c'est quelque chose qu'on découvre. Donc on a tenu compte de tout ça et on a essayé de surmonter cette difficulté. Il y a une solution, c'est dire là, voilà, on va changer ça, on doit changer là, et là, ça bloque. Donc, Bourguiba Allah yarhamou, qui a fait une démarche, qui a fait un bloqué, il fait un détour. Et nous, devant cette difficulté, on a fait des détours. Et ça a été, je dirais, par l'équipe, ça a été quelque chose de volontaires et c'est parce qu'ils veulent arriver au but. Donc on n'a pas compliqué la chose, on n'a pas crié, c'est pas normal. On s'est dit, bon, là ça marche pas, ok, on prend un détour. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. Donc une stratégie d'adaptation aussi, voilà. On dit bien. Et en parlant de l'équipe, encore une fois, Ousmane annonce son plaisir sur l'éventualité d'une femme tunisienne astronaute. Tout à fait. C'est un rêve, je crois. Est-ce qu'il pourra devenir réalité un jour, comme on l'a vu avec le Challenge One? Dans cette salle, on a reçu le président de la République, le président Qais Saied. Et c'était une visite à Ténet avant le lancement. C'était à l'époque aussi l'événement de la Perseverance, la sonde américaine, et Mohamed Abid, le Tunisien, que je salue, qui a participé activement dans ce projet-là. Il dit « Allez, je suis un peu de temps. » Monsieur le Président, je vais en faire mon projet et je vais en parler aux autorités russes lorsque je vais aller pour le lancement. Donc, entre-temps, trois jours après, il y a eu la fête mondiale de la femme. Et on s'est dit, pourquoi pas une femme? Parce que la femme tunisienne a été toujours modèle dans la liberté. Elle est arrivée à un niveau scientifique excellent. On avait maintenant dans les universités, les lauréates, c'est des femmes. Et puis, on s'est dit, il n'y a aucune femme arabe et africaine qui est allée. Et donc, lorsque j'ai eu l'entretien avec le vice-premier ministre, le vice-ministre des Affaires étrangères et le représentant du président Poutine pour l'Afrique et pour le Moyen-Orient, j'ai transmis cette demande de la présidence tunisienne et je lui ai dit, voilà, il a été impressionné. Qui fait Shahna Twensa? Moi je suis astronaute, mais une astronaute. Donc ça m'a impressionné et ça lui a donné plus, je dirais, d'arguments pour répondre. Après, le lendemain, on est allé voir l'agence spatiale russe, Roscosmos, et on a senti qu'ils ont eu le message. Et ils nous ont dit, voilà, on va faire ce projet-là. On va commencer par recevoir les CV et les projets que vous voulez faire, parce que nous, on ne va pas envoyer une astronaute, rien, pour faire du tourisme à la station spatiale internationale ISS. Nous, on veut participer à cette découverte de l'univers. Vous savez, lorsqu'on travaille dans l'espace, et ça, on l'a vu, on ne parle plus de pays, on ne parle plus de religion, on est des terriens en train de découvrir l'univers. Et donc, on doit trouver des compétences tunisiennes
et des recherches qu'on devrait faire à l'espace pour l'humanité. Pour l'humanité, et ça c'est important. Dans des domaines qu'on peut définir, ça peut être la médecine, ça peut être la physique, ça peut être d'autres, de la matière et tout ça. Et envoyer ces différentes qualifications et voir avec l'agence spatiale russe quels domaines ils peuvent y intéresser dans le cadre du programme global de la station internationale ISS. Et après, ça on doit le faire d'ici la fin de l'année. Et après, on doit voir les formations et l'adaptation nécessaires pour cet astronaute, parce qu'il y a de la préparation physique, il y a de la préparation au niveau médical et tout ça. Il y a toute une année de préparation. Inch'Allah, je compte un projet comme ça, ça va prendre minimum 2 ans. On espère bien de toute façon. Et pour toujours concernant le Challenge 1, donc lancement réussi, donc quel sera l'apport du satellite actuellement et quels seront les projets futurs, toujours dans le domaine spatial? Tout à fait. Donc à part, je dirais tout à l'heure, les signaux positifs pour l'image de la Tunisie et pour la jeunesse, effectivement, sur le plan technologique, c'est important. La Tunisie, Ethernet en l'occurrence, va accéder à une nouvelle technologie en cours de route. Parce que nous, on a eu cette vague de smartphones et de téléphones mobiles et on l'a subi. On a, de point de vue applicatif, on s'est montré très innovatif avec les Facebook en Tunisie et tout ça, mais de point de vue technologique, on n'a pas participé à cette vague et cette révolution technologique. Maintenant, on va vers une nouvelle vague de technologie. Maintenant, c'est pas ça touche pas uniquement les personnes, mais ça touche les objets. Tous les objets du monde vont être connectés. Ils vont avoir un puce. Selon l'objet qui a un certain nombre de data, pour l'arbre, ça peut être la température, le niveau d'humidité, et ainsi de suite. Pour la voiture, ça peut être la vitesse, ça peut être aussi l'état du moteur, et ainsi de suite. Pour les ordinateurs, pour tout objet, dont on dispose dans notre vie, il va être connecté. Et donc on parle d'ici 2023 à 70 milliards d'objets connectés. Et donc derrière, il y a des applications. Donc on peut accéder à distance à ces objets-là. Certaines tâches deviennent robotisées. Donc il y a la robotique qui va suivre. Il y a l'intelligence artificielle qui va suivre. Donc ce nouvel concept et cette nouvelle vague technologique, donc cette connexion pour cette nouvelle vague technologique, cette connexion peut se faire via le réseau terrestre, mais qui couvre seulement 10% de la Terre, et les 90% de la Terre ne peuvent être couverts que par l'espace et par ce genre de satellites. Donc nous, on veut être, je dirais, partie prenante de cette technologie, lorsqu'on parle de Telnet, mais on parle d'un écosystème de la Tunisie. Donc ça peut être des entreprises qui développent les applications, des entreprises qui vont développer la robotique, des entreprises qui vont développer l'intelligence artificielle, en fonction des objets qui vont être connectés, en fonction des puces qui sont dans ces objets-là. Et ça va créer une dynamique importante. Et comme ça, d'ici 2023, parce que cette technologie va arriver à sa maturité d'ici 3 ans, donc la Tunisie devient non pas acteur, non pas consommateur, mais acteur aussi de cette technologie. Justement, donc ça va, si je vous suis bien, donc ça va combler un certain, ça va permettre à la Tunisie, comme vous l'avez dit, d'être actrice de l'Internet des objets et d'inciter des startups tunisiennes aussi à s'inscrire dans l'optique de cette technologie-là, parce que comme vous le savez, il y en a pas mal, mais qui ne trouvent pas forcément le terrain adéquat pour se développer. Elles sont donc obligées de partir à l'étranger. Donc, si on comprend bien, donc le Challenge 1, c'est un premier pas pour garder les startups tunisiennes en Tunisie. Tout à fait. Si c'est un premier pas que Telnet l'a fait, mais là, on veut qu'il y ait une dynamique d'ensemble entre les universités tunisiennes, entre les centres de recherche, entre les startups tunisiennes. D'ailleurs, on doit coordonner avec l'UCER de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, avec le ministère de technologie, pour créer ce écosystème où il va y avoir ces applications-là, il va y avoir de la formation avec des écoles spécialisées ou des masters spécialisés. Et nous, on va ouvrir nos labos et on va partager la connaissance avec les centres de recherche, avec les étudiants. C'est notre devoir.
D'accord. On sera là pour médiatiser tout cela, la réussite juste tout. Et pour conclure avec Challenge One, comme vous savez, je crois que vous êtes au courant, il y a ce qu'on appelle les nabar afitouns, les critiques. Donc, il y a eu pas mal de critiques. Je ne préfère pas les citer. Donc, quelle est votre réponse à ces critiques-là concernant le Challenge One? Moi, je pense que si on a suivi ces critiques-là, on n'a pas pu avancer jusqu'à ce niveau-là. Mm-hmm. Moi, je me rappelle lorsqu'on a lancé l'idée, on a signé le 1er avril donc, l'accord avec Roscosmos pour le lancement du satellite avec la navette spatiale Soyuz 2. Tout le monde y parlait de poisson d'avril. On a été un peu démoralisé, mais on s'est dit, c'est un défi. On doit augmenter notre persévérance et on doit aller vers ce défi-là. Pour les gens qui parlent du poids ou la dimension du satellite, moi je leur dis, et tout le monde qui maîtrise la technologie n'a jamais été liée à la dimension au poids. Et lorsqu'on voit un smartphone, on voit que la complexité, plutôt, c'est lorsqu'on veut développer quelque chose de léger et quelque chose de très petit. Donc, okay. C'est la nanotechnologie. Donc, au contraire, ça donne plus de complications. Mm-hmm. Et donc, nous, on est allé, on a pu développer un satellite plus grand et plus lourd, mais ce n'est pas la tendance. La tendance aujourd'hui, c'est la nanotechnologie, c'est de développer quelque chose de petit, de léger, mais de performant, qui a les mêmes capacités que les autres satellites. Tout à fait. Bon, si, à part ça, on peut pas, c'est l'occasion, on ne peut pas passer à côté de votre expérience politique, si Mohamed. Quel souvenir gardez-vous de cette expérience politique quand vous voyez ce qui se passe actuellement sur la scène politique en Tunisie? Moi, lorsque j'ai fait de la politique, c'était pour servir mon pays. Parce qu'à un moment, après la révolution, il y a beaucoup de cadres qui ont entré dans la politique en tant que ministre et député. Mm-hmm. Mais j'ai trouvé que l'environnement, malheureusement, il n'est pas sain. Mm-hmm. Et j'ai décidé à partir de 2018 pour s'éloigner. Maintenant, on voit que les choses se compliquent encore. Je dirais que c'est dommage. Nous, notre satellite, qu'on a envoyé, on l'a appelé Défi, Challenge One, Tahadi. Nous avons dit que nous avons fait un défi très grand. 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 Nous avons fait un très beau pays. Et on doit travailler pour l'avenir, pour nos enfants et la génération future. Moi, la chose qui m'a beaucoup marqué, à laquelle j'étais très sensible, c'est lorsque j'étais à Moscou, j'ai vu des photos d'une journée organisée par la Cité des Sens et je voyais des enfants de 10, 14 ans en train d'ouvrir un bouquin qu'on a préparé nous pour banaliser l'espace pour les enfants. Ils suivent ça de près et tout ça. Pour moi, c'était la grande satisfaction. Et j'ai dit, maintenant, j'ai accompli ma mission. C'est de passer à ces enfants et un autre état d'esprit, c'est de leur donner la même chance que les enfants des pays développés. Mmh. Il faut qu'ils voient grand, il faut qu'ils croient à leur pays, il faut qu'ils soient fiers de leur pays. Et ça, c'est important. Et nous, on doit travailler pour ça, parce que c'est l'avenir. Les pays développés travaillent pour leur jeunesse, pour la génération future. Et si on met ça en tête, on va enlever tous les différends. Parce que tout le monde, il veut du bien pour ses enfants. Donc, même en 30 secondes, vous ne pourrez pas, c'est-à-dire il n'y a pas un désir de revenir dans la politique peut-être. Vous préférez servir la Tunisie de là où vous êtes. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Dernier point, on ne peut pas ne pas l'évoquer avec vous, concernant Sifax. On a entendu le ministre du Transport, c'est moi, Serge, parler d'un éventuel retour. Est-ce que c'est pour bientôt? Est-ce que quoi de neuf dans le dossier? En fait, Sifax, elle est revenue en activité depuis janvier 2019. Mm-hmm. Donc on travaille maintenant au Nigeria avec deux avions et bientôt il y a un troisième avion. Donc la société, c'est vrai, elle a arrêté ses activités en 2015 à cause de plusieurs problèmes. Donc on a eu quelques contraintes. La situation en Tunisie n'était pas la bonne période pour investir. Mmh. Lorsqu'on a vu les attentats à Fissousa, Fibardo, on a vu l'arrêt de l'activité en Libye. Ce qu'on a fait, on a arrêté à l'époque et puis on a repris, on a fait un plan de redressement. Mmh. On l'a repris. Dans ce plan de redressement, on a commencé à payer les billets d'avion, le personnel. On a aussi fait un échéancier de paiement pour tous les débiteurs.
les créanciers, et puis on reprend. Et je veux dire, c'est normal qu'on va travailler un jour en Tunisie lorsque les conditions le permettent et lorsqu'il y a vraiment un besoin côté tunisien d'augmenter la flotte nationale. D'accord. Mais je veux dire aux gens, j'ai jamais profité de Sifax, au contraire, j'ai beaucoup de perdus. Moi, personnellement, j'ai investi 40 millions de dinars pour Sifax. D'accord. Donc, c'est pour bientôt, juste pour les prix. Maintenant, la société, elle est opérationnelle. Elle est opérationnelle, d'accord. Tout à fait. Je parle bien des voyages. Enfin, les voyages en Tunisie, comme je vous ai dit, on va coordonner. D'accord. On va pas. Nous, on travaille bien à l'étranger. On est très connu en Afrique. On a fait beaucoup de succès en Afrique. On a une très bonne image de marque en Afrique. Mais s'il y a un besoin dans le pays, surtout pour l'aéroport de Sfax, pour créer cette dynamique-là, parce que vous savez, l'aéroport de Sfax, il a été toujours en sous-activité. Mais lorsque Sfax a opéré, il a fait une augmentation de 150% du trafic. Lorsque Sfax a arrêté des activités, les revenus inactifs. Donc pour créer la dynamique dans cet aéroport, il faut avoir une compagnie basée sur place. Donc nous, on est prêts à le faire. Et comme j'ai dit, si le pays a besoin de nos services, on est prêts à le faire pour le pays. C'est clair. Un dernier mot pour nos lecteurs, pour encore une fois la jeunesse, parce qu'il faut, toujours l'encourager et tout cela. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, c'est Mohamed? Moi, je pense qu'il faut croire à nos compétences. Il faut croire en soi-même. Il ne faut pas être démoralisé. Il faut relever le défi. On peut réfléchir à l'immigration, on peut réfléchir à des solutions faciles, mais le plus difficile, c'est le défi, le challenge. Mais avec ça, on est fatigué 2-3 ans, mais après ça, on garantit notre avenir pour longtemps. Ben c'est clair, ça arrive. Merci beaucoup de nous recevoir, c'est Mohamed, et dans l'espoir de vous retrouver dans d'autres occasions et d'autres réussites pour la Tunisie. Merci beaucoup d'être venu et grande salutation à la jeunesse tunisienne. Et je leur dis, il faut être fier de votre pays. Vous êtes comme tous les gens qui sont en train de Tunis. Vous Tunis, vous êtes en train de Tunis, vous êtes en train de vous Tunis, c'est أجدادنا اللي جابوا الاستقلال اللي كانوا رجال بكلمتهم اللي كانوا يحترموا les engagements. Tunisie, معناها, on a une très bonne image. Bourguiba a donné une très bonne image de la Tunisie. Et je pense qu'on a de l'avenir dans notre pays. Tout à fait.